Elle est amoureuse de Link, hein, la princesse dans ce... Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Zelda pour faire le 100%. Donc on s'était laissé au niveau de l'île de la Citrouille. On est en train de chercher les cristaux de gratitude, je crois. On a fini notre mission. Dans mes souvenirs, voilà, on avait une... Ah bah c'est par là, une citrouille. Enfin, une personne à aller chercher pour l'aider à cultiver son champ. Donc il faut aller dans... un petit point. Voilà, par le souvenir, il nous fallait au total 80 cristaux de gratitude. Mais il nous manque plus que ça en fait, hein. On a tout le reste. Ah, et 3 quarts de cœur. Ça par contre, le quart de cœur, j'ai oublié, je ne me souviens plus, j'ai pas fait les recherches. Entrée du volcan, pied du volcan, voie de l'ascension, temple du volcan, intérieur du volcan, grand sanctuaire ancien. Bah, on va aller à l'entrée du volcan parce qu'on sait vraiment pas du tout où chercher cette personne. Ah! Oui, non, attends, je pense. Mince, c'était tout à l'entrée, c'était tout en haut. On est là, on va juste faire une recherche vite fait, voir si j'en ai pas loupé ici. Non, on est d'accord. Ça, c'est juste des cœurs, donc ça m'intéresse pas. Bon, allez, on est reparti par là. Thank you.
Je cherche de nouveaux trésors depuis un moment, mais je trouve pas grand chose. Et je commence à en avoir marre de traîner dans le coin. Il fait une de ces chaleurs. Il faudrait peut-être que je tire avantage de mes atouts pour allier plaisir et profit. Ou que je me trouve un job plus pépère. Au profil recherché par la jeune personne de la citrouille perchée. Dois-je appeler le robot pour qu'il emporte ce mot-bas dans le ciel? Oui, à droite. Je l'appelle immédiatement avec mes ondes. De
cœur. Je suis de retour. Ah, c'est ça que je dois porter cette fois. Faut toujours que tu sois dans mes pattes. Bon, je vous attends dans le ciel. Alors ne tardez pas trop. Maître, retournons dans le ciel et emmenons le papa là où il est attendu. Ici. Ah. Bon, bah non, pas ici. Si je me trompe pas, il ne reste qu'un cristaux. Bien que ce n'est pas une personne. Oh, je vois, les taupes creusent le sol, c'est comme ça qu'il va labourer ma terre. Non, mais oh, dis-moi que c'est une blague, labourer toute la journée, c'est pour ça que tu m'as fait venir ici. Très bien, dans ce cas, merci beaucoup, monsieur la taupe. Non, mais enfin, j'imagine que ça mange pas de pain. Faire un essai. Alors qu'est-ce que vous dites de ça? Ça, c'est absolument extraordinaire. Vous trouvez? Pourtant, laissez-moi vous dire que c'était rien. Ça m'a petite dame. Chez nous, le premier gamin venu
vous fait la même chose. Yay! Vous voudriez pas recommencer? Dites oh s'il vous plaît. C'est parti. Quelle bonne idée tu as eue. Vous me présentez ce qu'on souhaitait. Ok. 79, c'est ce que je disais. On va faire ce qu'on va partir, on va dormir. Et on va vérifier. On va se mettre sur les cristaux. Ça va être la dernière vidéo. Si on arrive à trouver bien sûr le cristal qui nous manque. Encore. Pas sûr qu'il m'en manque un, ça. À aucun moment on nous dit que d'habitude, même quand on était sur. Une autre île, ça faisait bip bip bip, on voyait. Et là, on voit strictement rien. J'ai fait le tour. C'est étonnant. Je pense que toutes les missions sont finies, vu qu'il ne nous en manque que un. C'est pas bien de fouiller. On s'en va. Je suis en train de penser, je crois que je suis jamais allée dans la chambre de Zelda la nuit. De cœur ici. Bon.
ensemble. Combien de temps jusqu'à la nuit? Maintenant, on remet le détecteur. À aucun moment il sonne. De toute façon, on les a tous eus, ils ont mis 80, mais renseignement que j'ai eu, mais ce n'est pas bien de fouiller dans les affaires des gens. Ici, on ne peut rien sortir à part la potion. Oh non, il n'y a vraiment rien. Pourquoi je confonds la porte de sortie? On serait évité s'il y en avait en bas. En dessous, mais en dessous comment? En plus, il y en a bien un qui manque. En dessous. Dans la maison. Encore. Je vais voir si je peux aller
Évident comme ça, mais bien par là, c'est bizarre. En dessous la terre. Là-haut, c'est sûr. C'est bien en dessous, quoi. Oh. Comment elle est là? Oui, je peux trouver. Allez. J'ai mes 80. Alors on va pouvoir aller au cimetière. C'est vrai que je n'ai pas pensé du tout. Comme ça, vous voyez vraiment pas. Donc,
l'air. Oh, vous avez ramassé un grand nombre de cristaux de gratitude. Tenez, en guise de remerciement. Vous avez obtenu une bourse énorme. Elle a une contenance largement supérieure à celle de votre ancienne bourse. Vous pouvez y ranger 5000 rubis. Il ne me manque que quelques cristaux de gratitude pour devenir humain. Oh, mais vous avez encore beaucoup de cristaux de gratitude. Acceptez ce modeste présent en remerciement. Vous avez obtenu un rubis doré. Sa valeur est de 3000 rubis. Exceptionnel. Mieux vaut garder ça pour vous. Cela ne suffit pas à exprimer à quel point je vous suis reconnaissant. Tenez, en voici un autre. Vous avez obtenu un rubis doré, sa valeur est de 300 rubis. Je pense que j'aurais dû venir entre deux en fait. Il ne me manque que quelques cristaux de gratitude pour devenir humain. Oh, mais vous avez encore beaucoup de cristaux de gratitude. 80, mais alors, vous avez rassemblé tous les cristaux de gratitude? Merci, 100 fois merci, 1000 fois merci. Tenez, voici le dernier présent que j'ai à vous offrir. La bourse de star, voilà qui impressionnerait même les plus fortunés. Vous pouvez y ranger la somme astronomique de 9000 rubis. Ce n'est pas grand-chose, mais j'espère que ça vous sera utile. Je n'arrive pas à y croire. J'ai assez de cristaux de gratitude pour devenir humain. Je me demande si ça va marcher. Et si ça ne marchait pas. J'ai le cœur qui bat la chamade. C'est au... Alors, de quoi j'ai l'air, Nini? J'ai compris. Pas la peine de répondre. Votre visage en dit non. J'ai tellement changé que ça vous laisse bouche bée. Je vous suis éternellement reconnaissant de ce que vous avez fait pour moi. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre en harmonie avec tous les habitants. Nous avons fini cette quête-là. Alors... j'ai fait un peu de recherche. Parce que, en fait, là, ce qui me manque... Est-ce qu'on a pris nos deux... Ah, on les a pas déjà, là. Deux médailles. Donc on va aller aux médailles. On va voir si... on va le voir en plein jour, sortir.
Chercher les quarts de cœur parce qu'il faut qu'on aille 20 quarts de cœur. Olivia encore merci pour ce que vous avez fait pour moi. J'ai toujours eu envie de venir faire un tour au marché couvert. Regardez, personne n'a peur de moi. Je n'ai jamais été aussi heureux. Vous allez dire, ouais, c'est dommage de ne pas le voir. Bonjour petit ange de mon cœur, donne-moi tout ce que tu veux, je m'en occupe immédiatement, d'accord? Prends tout ton temps mon chéri, oui bien sûr. Voilà. Celui-là, oui c'est celui-là. Médaille de cœur. On va remplacer nos... Après, est-ce que celle-ci compte aussi? Je ne sais pas ce que ça fait celle-ci. Parce que ça se trouve, il ne manque plus grand-chose. Hein. Attendez, je vais la prendre aussi. À la place de quoi? À la place des trésors. Hein. On fiche un peu. J'attends ta prochaine visite. Très bien. Donc là, il nous manque juste un seul cœur. Vous avez vu, on en a 19. Et il nous manque les trois quarts de cœur. Ouais, donc ça, c'est pas des médailles. Talisman mystérieux, portez-le sur vous et les cœurs apparaîtront plus fréquemment sur votre chemin. Ah ouais, d'accord. Donc non. Je me demandais à quoi ça servait justement ça. D'accord. C'est pas des fragments de cœur, c'est juste pour avoir des cœurs. C'est vrai que ça peut être utile. Mais là, nous, ça nous est pas utile du tout. Donc, on va prendre ça. Attendez. Ah, c'est parce qu'on en a deux de diamants. Ah, ok. De diamants, ça sert à rien d'apprendre les deux. Donc on est toujours à 19 cœurs, on manque 3 quarts de cœur. Et on a fini le jeu à 100%. Parce que tout est rempli, on a la bourse au maximum. Et ah oui, alors l'amélioration encore à faire à l'arrière. Alors, trois fragments de cœur sur, je sais où, j'en ai loupé un. C'est la course de chariot, ça je ne l'ai pas fait. Sur Flapper. Après, j'ai regardé, mais voilà, je ne suis pas sûre, je ne sais plus si je les ai pris ou pas. Qu'est-ce qu'on va faire que... Magie rouge, rouge. On va aller dans le... Yeah.
Alors, dans celui-ci, entrée du volcan. Ah non, là je suis au jaune. Chantier naval. Repère des pirates, chantier naval. Je suis sûre qu'il me le manque. Alors, autant s'amuser un peu, non ? Je savais bien que tu serais intéressé. Je vais t'expliquer comment ça marche. Tu dois atteindre la ligne d'arrivée le plus vite possible. Incline ton corps pour faire pencher ton magnet. Penche-le au bon moment pour accélérer. Reste bien concentré sinon tu risques de débrayer. Remplis ton petit cœur. Seconde 08. C'est important ça. Tu as atteint l'arrivée. Tu peux faire mieux. Il n'y a pas de doute. Il faut pencher ton wagon davantage. Tiens, tu n'auras pas tout perdu. Tu peux faire mieux que ça. J'aurai toujours des wagons pour toi. Thank you.
J'ai bien battu mon record là. Alors, tu es arrivé. Ouais, super. Ouais, génial. Wow, impressionnant, extraordinaire. Voilà pour toi un trésor que j'ai découvert ici même, sur cette île. Ah, bah voilà. Vous avez obtenu un fragment de cœur. Il vous en faut 4 pour augmenter vos cœurs. Eh ben, dis donc. On est fait des deux. Oui, alors je sais plus si j'ai autre chose à faire. Le chariot jaune. Pour vous sûr, il n'y en a pas. À l'intérieur du volcan. Ça sert à finir. Peut-être que celui-là, je ne l'ai pas pris, mais je suis pas sûre. Donc là, du coup, il nous en manque 2. On va sauvegarder parce que j'ai quand même récupéré celui du chariot. Je suis persuadée de l'ordre.
Donc il nous en manque plus qu'un. Bien fait de faire des... D'ailleurs, le son est marqué où j'ai écrit ça. Moi. Je retrouve mes notes. Alors après, il y a l'entrée du volcan. Donc celui-là, c'est fait. Il y aurait l'entrée du volcan. Encore deux endroits peut-être que j'ai du cœur. Il y en a un des deux sûrs que j'ai fait. Il nous en manque plus que un. Voilà. Du sceau. Oui. Après, il y aurait peut-être la taupe. Mais je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose avec la taupe. Ah, il est là-bas. Peut-être avec lui. Parler. Tu sais quoi, j'ai aperçu des papillons d'azur par loin d'ici. Dommage que j'y connais rien en musique. Si seulement je savais jouer d'un instrument. Ah, donc c'est peut-être lui. J'avais peut-être pas fait, j'avais pu le faire. Et Oh, ça pour une surprise, quelle trouvaille! C'est la découverte du siècle. Cette marque sur le mur, nous sommes devant l'un des murs de la déesse dédiée aux héros. Ça fait aucun doute. Ouais, et pendant mes recherches, j'ai trouvé d'autres écrits anciens. Tu veux savoir ce qu'ils disent? Bien sûr. Une flèche horizontale, c'est... ce que doit tracer celui qui veut transpercer une cible au loin. C'est ce que disent les écrits anciens. Tu y comprends quelque chose? Ok, donc tu veux que je te dessine une flèche. Comment on fait déjà? GDR, ah c'est là, ok. Donc, on fait un trait. Une flèche à l'arrache. Hein. J'espère qu'il va y avoir ça comme une flèche. Oui. Wow, épatant. Alors, c'est à ça que les écrits anciens faisaient référence quand ils parlaient de transpercer une cible au loin. Tiens, je te donne ça pour te remercier de m'avoir aidé dans mes recherches. Et ben voilà.
fragment de cœur. Vous avez formé un nouveau réceptacle de cœur. Votre énergie vitale, le maximum, augmente d'un cœur. Et nous avons nos vainqueurs. Le mur de la déesse va mettre un peu de temps pour se régénérer. Reviens me voir un peu plus tard pour m'aider dans mes recherches. Maintenant, tu m'as donné... Tu peux plus m'aider. Tu m'as donné ce qu'il me fallait. Moi, j'avais un souvenir ici, en fait. C'est pour ça que j'ai eu un doute, parce que la photo que j'avais vu que c'était pas là, au même endroit. Et en fait... c'était là que ça manquait. Donc, nous avons fini le jeu à 100%. On a la capacité des bourses au maximum, on a eu les trois flammes, on a le cœur complet, enfin le cœur complet, on a la triforce, on a le symbole avec les yeux, on a tous les autres symboles ici. À aucun endroit il manque quoi que ce soit. La seule chose que je n'ai pas fait, qui fait pas partie spécialement du 100%, mais c'est le dernier mini-jeu du dragon, où on a en récompense le dernier bouclier. Mais bon, moi je trouve un peu ridicule de le faire maintenant, parce que j'aime pas trop faire les combats, pour faire combat sur combat sur combat, j'aime pas trop ça. Et c'est pas trop mon truc. Et un bouclier maintenant, à part pour l'esthétique et l'avoir, je veux dire, ne sert à rien à ce niveau du jeu, on l'a fini. Donc j'espère que vous avez aimé l'aventure de Zelda. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Autre, pensez à activer la petite cloche si vous voulez voir qu'est-ce que je joue sur ma chaîne, les prochains jeux. Et je vous dis au revoir, pensez au petit pouce bleu.